Bonjour chers élèves, cette séance de production écrite est adressée aux apprenants de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Il s'agit ainsi de la séquence 4 du programme Parcours, dont la compétence est de comprendre et produire une pièce théâtrale. Avant de commencer, nous allons d'abord faire un petit rappel de la structure d'une pièce de théâtre. Essayez de répondre à cette question. Quelle est la structure d'une pièce de théâtre? Voici les quatre étapes de la rédaction d'une pièce de théâtre. Nous commençons par une scène d'exposition, dont la fonction est d'informer et présenter les personnages, le lieu, le temps, le thème et les éléments de décor, bien sûr, de la pièce. Le nœud dramatique, c'est le problème que doit affronter le personnage principal. Les péripéties, ce sont les événements ou les actions qui sont réalisées par le personnage principal afin de trouver une solution. Alors que le dénouement est la fin de la pièce, c'est la solution trouvée. Vous vous rappelez sûrement de la dernière leçon de production écrite étudiée. Qu'avait réclamé le fils à ses parents? Bien sûr, l'enfant avait demandé à ses parents de ne pas mettre fin à leur abonnement à Internet, car elle était accro aux réseaux sociaux. L'objectif de notre leçon d'aujourd'hui est de produire des péripéties appropriées à partir d'une situation d'écriture précise. Pour commencer, observez bien cette illustration et dites ce que vous voyez. On voit sur cette image un enfant tenant deux portables dans ses mains. Cet enfant est peut-être accro, addict ou passionné aux réseaux sociaux, tels que Facebook, WhatsApp, Instagram et d'autres. Soit le sujet suivant que vous allez trouver sur la page 147 de votre livre « Parcours, deuxième année ». Je vais lire le sujet. Suite à l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement Internet, tu interviens pour contester cette idée. Lisez bien le sujet, puis relevez les mots-clés de la consigne, qui vont vous aider à bien effectuer la tâche. Les expressions clés que vous serviront pour bien comprendre la consigne sont bien sûr tes parents, mettre fin à, abonnement Internet, tu interviens et contester. Maintenant, relisez bien le sujet puis relevez la tâche demandée par la consigne. Il s'agit de produire les péripéties où vous contestez la décision de mettre fin à l'abonnement Internet prise par vos parents. J'espère que vous avez bien compris la consigne. Maintenant, à vous de produire une scène de péripétie à partir des indications suivantes. Commencez d'abord par un chapeau dans lequel vous indiquez le lieu où se déroule la scène, le temps de l'échange, les personnages présents sur scène, ainsi que quelques éléments de décor. Passons maintenant au scénario de l'échange, sous forme de réplique, composant un dialogue.
Surtout, n'oubliez pas d'utiliser les didascalies, qui sont des indications scéniques qui montrent ou indiquent le ton, les gestes, les attitudes, les déplacements des personnages. Vous avez ici un tableau montrant les trois interlocuteurs de cette scène, qui sont les parents, la mère, le père et aussi l'enfant. Bien sûr, les parents vont essayer de discuter les inconvénients, les défauts de l'Internet, qui est une source de problèmes tels que les résultats faibles d'examen, tels que les problèmes de santé. Aussi, la décision des parents de mettre fin à leur abonnement à Internet en citant quelques exemples de risques. Pour l'enfant, il va essayer de convaincre ou de persuader ses parents pour ne pas mettre fin à l'abonnement à Internet. Il va montrer son ignorance au total des risques. Pour lui, l'Internet l'aide à faire ses devoirs scolaires. Il va essayer de rassurer ses parents. Pour vos idées, voilà un exemple de production qui vous servira d'outil pour bien rédiger votre scène de péripétie. Il s'agit de l'acte 2, scène 1. Le décor renvoie à une salle de séjour. Le soir, tout le monde a dîné. Le père. Écoute, fiston, si tu vois que c'est injuste le fait de couper la connexion Internet, tu as tort. La mère. Mon fils, l'Internet est une source de plusieurs problèmes. Le fils. Oui, mais je passe le temps juste à contacter mes amis qui me servent parfois des cours. Le père. On le sait, mais tu lui donnes tout ton temps, des nuits blanches, et c'est dangereux pour ta santé et pour tes examens aussi. La preuve, c'est que tu as obtenu de mauvaises notes au dernier contrôle. La mère. En plus, mon petit, on sent que tu es loin de nous. Nous sommes tes parents, on cherche ton bien. Le fils. Après un temps de réflexion, c'est une didascalie. Oui, c'est vrai, cela a pris tout mon temps. Vous avez raison, mes parents. À partir d'aujourd'hui, je vais organiser mon temps et faire attention à mes leçons. L'enfant embrasse ses parents. Maintenant, à vos plumes. Après avoir effectué votre tâche, je vous propose une activité de prolongement. En vous inspirant de cette séance, pensez à produire les péripéties de la pièce de théâtre que vous effectuez avec votre professeur. Pour la séance de projet, et bon courage!